Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. Mais avant de parler d'Mbappé qui est selon moi un excellent attaquant, n'hésite pas à liker et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, ça reste et c'est évidemment le plus important, je compte sur vous. Et nous les mecs, on est parti pour parler de l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid. D'après les informations de la presse espagnole, Kylian Mbappé au Real Madrid, c'est fait. L'avocate du joueur aurait signé les premiers documents avec les dirigeants du club espagnol le 30 janvier dernier. Les derniers détails devraient être réglés dans les prochains jours. C'est une bombe lâchée par Marca. Selon les informations du quotidien espagnol, Kylian Mbappé aurait déjà signé un contrat avec le Real Madrid. En fin de contrat, à l'issue de la saison avec le PSG, l'attaquant français peut discuter depuis le mois de janvier avec les clubs intéressés. Ce dernier, contrairement aux informations parues jusqu'alors, n'aurait pas attendu le 8e de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid pour faire son choix. Marca explique ainsi que le joueur français Kylian Mbappé a signé son contrat le 30 janvier dernier. Raymond Alvarez, journaliste de Marca, annonce que Kylian Mbappé aurait déjà signé son contrat avec le Real Madrid. L'attaquant français, libre à l'issue de la saison, aurait décidé de s'engager avec les Merengues le 30 janvier dernier. Mbappé au Real Madrid, c'est bouclé. Voici en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, dis-moi ton avis en commentaire. Est-ce que l'arrivée d'Mbappé au Real Madrid est vraiment une bonne idée? Est-ce qu'Mbappé va s'imposer au Real Madrid? En tout cas les gars, dis-moi ton avis en commentaire. N'hésite pas à liker et de t'abonner avec la cloche. Ça reste et c'est évidemment, c'est logiquement le plus important. Je compte sur vous et salut à la prochaine.